deep for me. Pray love is deep for me. I'ma make you go weak for me. Make you wait a whole week for me. I see you watching, feeling. I know you want it, feeling. I know you need it, trouble, Lord. You want it on. Salut les filles, salut les garçons, salut les autres délégats. En fait, les gars, dinguerie. Les gars, dinguerie. Ils ont pensé que. Mais en fait, on arrive à Abidjan. Dinguerie. Je suis tellement contente de mon premier voyage de 2024 en Afrique, à Abidjan. Dinguerie, on y va pour la canne. J'ai trop hâte. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a attendu tellement ce moment. Mais là, le moment, il doit passer vite. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si on est déjà dans l'avion. En fait, si, il va passer vite, tu verras. Tellement on va profiter, on va pas sentir l'heure passer, genre. Tu veux des chips? Non, merci, c'est gentil. Du coup, les gars, j'ai pas dormi, on va à Abidjan pour la CAN. Et aujourd'hui, le Congo, il joue Seigneur. Eh, Seigneur. Bref, voilà, on va à Abidjan pour la CAN. C'est mon premier vrai vlog en Afrique noire. En Afrique noire. Et parce que j'en avais fait un au Congo, mais vas-y, c'était pas la même qualité, le même tout qu'ici. Donc du coup j'ai hâte vraiment de vous faire montrer un autre aspect de l'Afrique en dehors de la brousse et des terres rouges, d'accord? Parce que l'Afrique c'est autre chose aussi. Donc en tout cas j'ai vraiment hâte. Et puis voilà, là on attend notre vol. On doit embarquer dans... Bon, on devait déjà embarquer. Je suis avec... Salut les filles. Merci. Avec Jamila. Ouais. Storytime ou pas, que de base tu devais pas venir? Ah oui. Oh purée, il y avait trop de trucs. Ah, venons faire un throwback. Mais Reddit, qu'est-ce que tu vas raconter? Que de base on devait venir pour ton anniversaire. Bah on vient pour mon anniversaire. Non, à la base tout était annulé, on parlait même plus de ça. Parce que t'avais des trucs et tout à faire. Et donc du coup on avait annulé. Mais moi je voyais les snaps et tout. Les gens ils étaient chauds, ils disaient ah putain, j'ai dit mais jamais tu peux rater. Jamais tu peux rater. Donc vas-y, j'ai commencé à chauffer et tout. Non, c'est bafouté, je vois qu'il est bafouté. J'ai dit, ah bon, bientôt je prends mes pieds et tout. J'ai dit, non, c'est impossible, moi, c'est fou que je vais aller tout. Bref, les choses ont fait que j'ai pu y aller. Enfin, oui, j'ai pu y aller et j'ai engrainé Jamila. Elle a dû mettre sa vie en stand-by. La vérité, c'est très grave. Hein. Faites pas ça. Hein. Faites pas ça. En plus, moi, je vous encourage à le faire. Non, année d'examen, faites pas ça. Faites conscient quand même. Année d'examen, ok, mais si vous savez que vous avez des facilités, que vous allez avoir l'examen, faites-le profiter de la vie en fait. Moi je vous conseille de profiter de la vie. Regardez, j'ai repris l'école la semaine dernière. Je suis là, je vais voyager. Non mais c'est pas méchant, genre. Non mais vous allez dire, mais Reddit, c'est une mauvaise influence. Non, oui. Non, je suis pas une mauvaise influence. Sur ça là, oui. Non, je sais pas question d'influence, c'est que profitez de la vie en fait. L'école, ça va pas vous empêcher de profiter de la vie. Je suis désolée. En plus. C'était la bonne période, on a eu des bons prix et non, tout. Soyez aussi conscient de vos capacités. Oui, exactement. Moi, je sais que quand je vais reprendre, vas-y. Normalement, ça devrait couler de source. Mais, à vos risques et périls, mais parfois prendre le risque, c'est pas mal aussi. Hein. Mais bon, bref, les gars, je vais vous laisser ici. On attend qu'on nous embarque. Et puis voilà, on a pris des médicaments. Première fois, je prends des médicaments pour l'avion. Oh, si ça donne, hein. Elle m'a drogué. Non, moi, je peux pas. Il faut que je sois détendue là. C'est contre qui? Ah oui, c'est vrai. Non, tranquille. Oui, vous avez marqué. Tu vas finir sur TikTok, t'arrêtes ça. Elle me fout la honte. Je suis pas. Je sens ça même. Les trois, ils vont rentrer où? Et le Bluetooth? Ici, ouais, sur la radio. On peut mettre nos musiques ou c'est que. Vous savez quand même. J'écoute du matin.
vous avez fait le room tour, mais cette caméra elle fait des faces tout en se mettant le mode ralenti alors que je n'ai rien demandé. Donc vous aurez le room tour, je pense, demain. Peut-être que ce sera plus beau s'il fera jour, etc. Bref. Là, on est en train de se préparer pour sortir. Il est 1h30 du matin, oui. 1h30 du matin, mais bon. Le PA, ça finit jamais, donc voilà quoi. On va s'adapter. Je vais faire un petit make-up. Bien. Mon lycée, je sais qu'il va pas tenir à cause de la chaleur, mais je vais essayer de faire un truc bien. On peut absolument pas se préparer dans la salle de bain parce que c'est super sombre. Il y a rien qui va. Il y a plein de petites choses qui font que... Ouais, que ça fâche. Franchement, que ça fâche. Et je suis tellement contente du Congo. Je suis tellement fière de mon peuple. La vérité. Oh, on a trop souffert. En fait, vous voyez que la canne comme ça, moi, je vois l'aspect vraiment derrière, en fait. L'aspect que... De tout ce qui se passe et tous les génocides, les banini, banini. C'est ça qui fait que ça me rend encore 10 fois plus contente. Vraiment, genre, c'est... C'est une dinguerie ce qui se passe. Je crois qu'on s'en rend pas compte. Et là, j'étais en pleine session de make-up. Je crois que les garçons ils sont arrivés. Je suis sortie 2 minutes. La chaleur de ça. C'est quoi cette chaleur? C'est quoi cette chaleur, s'il vous plaît? De quoi est-ce qu'on parle? Congo. L'Afrique noire. Il est parti. Bah venez, le mec il est parti. Ouais. Pourquoi? Vous fermez la porte. Attends, je vais la porte. Mais j'ai des amis de fond de teint, d'elle. Ah ouais. C'était ma taille. Bafonnier, c'est donc toi. Dingue. Ouais, on est ensemble, là, on va où? Mais lavez-vous. Mais attends, ouais. Mais là, vous sentez pas, vous voulez sortir. Mais la voiture, c'est comment? Tu sais qu'on va être en perte, hein. Non, mais on va prendre une voiture. Mais, pas problème. Mais non, mais là, le temps d'avoir la voiture, genre ce soir, non, demain. Demain, on aura la voiture, je pense. On aura une voiture, mais après, c'est la militaire, quoi. Mais en fait, le groupe, le nom, non? Ouais, j'ai mis dans le truc. La arrivons dans la villa. Bonjour. C'est aujourd'hui. Non, c'est pas la ragaka. Elle se fait partir en plus. Les ragaka, on laisse ça là-bas. Cousine, bon, allez. Là, il y a notre mairie, dites-moi. Bonsoir, bonjour, vous allez bien, nous ça va? Équipe de ma youtubeur. Bref, les gars, vous allez souffrir de ce soir. Mais attendez, là on se prépare, on va où? On va au Bloom là, non? J'ai dit Bloom, direct Bloom. Moi aussi, moi ça me surprend que ce soit le Bloom direct. Le Sénégal, ça va? Je suis pas Sénégal. Tu vas pas lui faire un lunar, t'as trop. Regardez la grosse. Yeah. Ça va dire c'est un livre quand j'ai cru c'est une télé. Mais voilà, je vais avec ma mère. Tellement d'affaires. Je vais avec les sacs, les gros sacs là. Hey, on est au bled, on n'est pas en Amérique. Okay. Ah, moi elle est marron frère. Quoi? Oh my god. Je vais mettre ça sur ma brosse à dents, ça va pas quoi, regarde. On a évité trop. Mais toi arrête ça de parler. La vérité, j'en étais marron il y a 2 secondes. Moi, jamais, c'est pas la lumière, t'as vu ça? Il est actuellement 3h21 du matin. On est toujours pas sortis, je trouve ça super grave. Il est super tard, je suis jamais sortie aussi tard. Mais bon, c'est pareil ici. C'est normal, le pays du paya. On dit paya ou paya? On dit paya ou paya, oui? Paya. Paya. Bon, petit autre chose de terre. J'ai mis une petite tube comme ça, très mini quand même de chez je suis full Shein. Avec mon sac des ailes. On fait étiquette sur le sac. Hein? Il y a une étiquette sur le sac. Où? Ah, la banguise. Mais même pas si. T'es la banguise. C'est bon. Vous êtes? Ouais, t'es bien. Non, je regarde. Salut les gars, alors outfit of the day. Petite chemise, tu me caches la lumière là-bas, Fodé. Ah, pardon. Non, pas doucement, toi. Du coup, je disais chemise de chez Bershka. Voilà, si vous voulez la référence. Petit jean Asos. Petite montre, histoire d'or, Casio. Vieille bague, je sais pas la matière, t'es mou. Boucle d'oreille.
Ouais. Ah, et les LED, ils sont dans la bas de la chambre. Voilà. T'as déjà dit les bébés doux ? Hein ? Oui. Asos. Ok. C'est bon ? Je valide le look. Ah, iiii, Mera, elle a validé, les gars, je vais sortir. Bonsoir à tous. Alors, oui, on a un petit t-shirt Ami Paris, un pantalon Asos Design, okay. Une paire de Louis Vuitton traîneur, okay. Des lunettes de soleil Yves Saint Laurent, okay. Et bah, mon téléphone, c'est mon sac. Ah, bon. Jamila, elle la, est la fille, c'est causé le sourire, pourquoi là Parce qu'elle a envoyé Jamila. Vous verrez son outfit of the day quand je filmerai. Parce que là, she's not crazy. J'ai mélangé tous mes parfums. On a commandé Yango Temal. Temal. Bah, faut des soit gentleman, tu m'en as marre. Eh, j'ai ouvert. Le retour, quand t'es même pas souvent pour mettre au milieu, vous étiez fous, quoi. Wesh. Assieds-toi seulement. T'as pas dit t'es Queen Bee. On te protège. J'ai pas besoin de votre protection, là. J'ai besoin. Eh, hey, ton second là, il gratte, hein. C'est bien, tu vas bien gratté. Ça va bien gratter. Et t'as pris mon ventilateur? Il est où? T'es trop méchante. T'es tellement méchante. Meredith, t'es méchante. Oh la chaleur. C'est pas rendu. Tu m'as jamais entendu. Mon make-up, il va jamais tenir jusqu'au bloom, hein. La vérité, hein. Vous voulez le volant militaire dans ça? C'est la brume du matin. Ah, tu parles dans le direct européen. Mais moi je suis caucasien. Naïbin est na Pologne. Eh, je vous jure, je me tape trop des bas. Regarde, on vient de rentrer. Je suis là. Bon, j'ai le temps. Après, t'as regardé. Coup du marteau. Ok. Je sens un coup du marteau. Ma toto. Ma toto. Coup du marteau. Mérégis, Mérégéchen, aux animaux. Ma maison, mais je veux que ma maison, j'ai une force, ma maison. Là, il y a du coca là. Mais simplement, tu me fais, je n'arrive pas. Et puis, il va vous dire. Il ouvre, il s'ouvre, s'il vous plaît. Vraiment, poulet d'arrière. On lave pas nos mains. Hé! Bactéries sur toi. Hé! Bactéries sur toi et tout le monde. Couple le réveil. Couple le réveil, on va où là? Ouais. Non, c'est parce que tu voulais quand vous voulez qu'on parte. Enfin, il fallait que vous mangez quand même. Ça pique. Oui. Hey, moi, je m'en fais depuis quand? Nous ici, on va nickel. Moi, ouais. Je suis sobre. Hein. Mais qui n'est pas sobre? On est tous sobres. Hein. En tout cas. La sobriété, maman, c'est mon autre famille. Maman sobre. La même musique que Joël de Tuilé, sobre. Comme ça. Now. Coronavirus n'est pas ça. Mais elle a mangé de poulet, hein. Mais elle est quand elle a mangé de poulet. Bah, Faudet, tu vas où? J'aime trop ton ensemble, là. Hein. Franchement, et TSTV, hein. TSTV. Moi, je suis parti de la team TST, Niangode. Oh mon dieu. Mamé, c'est comment, wesh? Hein? C'est comment? Moi, ça va, j'ai un peu la fatigue là. On va aller manger, on va aller bruncher. Après, on va regarder le match. Après, on va au resto. Quand on dort, on sent pas le brunch. Hein. Vous êtes très bien grave, vous-même. Est-ce que ça va bien? Mamie, dis-moi que c'est toi qui m'as apporté pour me ramener dans la chambre. Jamais. Ça peut jamais être lui. Mamie? Non, mais tu m'as pas secoué, mesdames levées? Jamais.
J'ai fait un, hier j'ai fait un blackout. No tout le monde, jour 2. Je vous ai même pas fait de transition de matin parce que je vais pas vous raconter ce qui s'est passé hier, c'est bon. Hein, c'est vraiment mieux. Aujourd'hui du coup on est deuxième jour, enfin première journée officielle en réalité. Là on est en train de se préparer, vous me demandez même pas pourquoi je me prépare pas dans la chambre parce qu'en fait cette maison elle est vraiment pas fonctionnelle. Non elle est pas fonctionnelle. Elle est pas fonctionnelle. Elle est pas fonctionnelle. Toi t'es là, t'es là, c'est pas fonctionnel. Maintenant faut que je fasse la pub, mon changer. Bref, du coup, dites-vous là, coupeur de courant, il n'y a plus de courant. C'est l'Afrique, hein. On est habitué, c'est pas. Voilà. J'ai fait un petit skincare en rapide parce que là c'est no make-up. Le programme du jour là, on va aller bruncher. Ensuite, on va aller voir le match Civ Mali. En espérant que la cive passe. Et en espérant que le gagnant passe. Ah, je me suis pas manqué parce qu'il fait tellement chaud. Oh, la chaleur, elle est juste insupportable. Vraiment, elle est insupportable. Il fait lourd en fait. C'est vrai qu'il fait chaud, il fait lourd. Donc du coup, voilà. Plus. Ah. Non. 5 et efficace. Super. Louisa. Vous avez gagné RDC. RDC, non, on n'a pas perdu RDC. On les a toujours gagnés. On va aller brancher. Eh, ici, il est route. Moi, je veux pas garder la carte. Ah, vous me donnez. Ok, d'accord. On va perdre, après, on va jeter ça chez nous, cadeau. Il fait chaud. Les gars, actuellement, on est à Harlem. Vous pouvez fabriquer, gars. Vous fabriquez en même temps. C'est pas quatre de maison. Manger. Brancher. Olé, coucou, on est bien à trop. Coucou, on est quoi? J'aime trop les gens. Moi, je commence à dire coucou. Bah ouais. Il y a le Bluetooth sur votre voiture. Oui. On peut mettre tout du bateau à l'heure. Il fait trop chaud. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ça, c'était ça. Moi, c'est son idée. Est-ce qu'ils ont du sirop d'érable? Franchement, vous aimeriez bien une finale Côte d'Ivoire RDC? Bon, quoi? Gang. Bon, ça va dépendre. Quand on dit que le Congo, même moi, je vais rapporter l'argent sur. Comment? Le Congo, ce n'est pas aussi efficace. Ah, la justice de Dieu, il y en a, nous on parle pas. Nous on parle pas. Ouais, parce que c'est pas possible, c'est sans coupure de courant. Vous là, Dieu nous a baissé le prix, vous lui demandez d'acheter. Mais il nous a baissé le prix, tu retrouves déjà sa maison, elle vaut 1500 euros. 100 euros qu'il a enlevé là. Vous croyez que la maison vaut combien? La maison vaut pas 600 euros non plus. Elle vaut pas 1600 non plus. J'ai arrêté d'abuser. Non, je te connais pas. Il y a trop de trucs qui va pas. Non. C'est un 10 contre 11. C'est Aïe, là, ils ont qui?
Il me chie. Faut trouver un échange. No matter what you say or what you do, when I'm alone, I'd rather be with you. Fuck these other niggas, I'll be right by your side till 2005. Okay, hold up, wait a minute, all good, just a week ago. At my house, we party every weekend, so on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone, got no patience, cause I'm not a doctor. Go, why is you lying? Fossa. Yeah, me casa su casa. Got it stripped like Gaza. Got so high on volcanoes. Now the flow is so loud. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds, 2 inches, and slice in both ears. Hello, les gars. Vous êtes tous et toutes très bien. Jour 2 complète à Abidjan. Hier, vraiment, vous avez vu, je sais même pas comment je vais me mettre dans le vlog, mais on est parti au restaurant, au comptoir. Franchement, le comptoir, tu mets combien sur 10? Tu mets combien sur 10 le comptoir? Le comptoir? Comptoir! Franchement, pareil, 5-4. Pas ouf du tout. Franchement, là, c'est bon. J'ai vraiment hâte de manger l'école parce qu'en fait, tu vas dans un restaurant, il met des 3 heures à servir. Tu comprends pas, c'est n'importe quoi. Et aussi, au final, on veut aller au Bloom. Mais Bafodé, il avait mis un démembré, donc du coup il pouvait pas rentrer. Ce qui fait que au final on s'est dit bon, nous on va rentrer avec Jamila. On est rentré et les garçons vont continuer à faire la tête, ils sont rentrés à 9h du matin. Là les outils sont en train de dormir, je suis carré. Mais nous notre neuf a compris. Aujourd'hui le programme, j'ai été invité à la Sunday. C'est un festival comme ça que je crois qui est organisé par. Desperados là, donc du coup on m'a invité, on va aller tout à l'heure, je pense ça finit à 23h, donc je pense qu'on va aller sur les coups de 17h comme ça, mais entre temps nous on doit manger parce qu'on a faim, les garçons vont pas se lever maintenant, donc on va descendre en bas et regarder ce qu'on peut aller manger. Nous sommes là, c'est bon, vous voyez une chèvre, moi j'ai plus peur des chèvres, mais la chèvre, wesh. Pourquoi il y a une chèvre là? Jamila, wesh! Jamila! Mais viens! Oh my god! Jamila! Monsieur! Il est où le gardien? Je sais même pas. Là, il est où? Si on fait un tour droit, tu penses qu'elle nous suit? Elle est là, là. C'est un fou! Le chien va nous courser, ouais. Oh my god. Pas de me. Elle parle. Ça, c'est combien le prix? C'est combien le prix pour nous allumer, hein? Non, c'est en fonction de toi. Les gars, on a commandé à Tchiké Poisson. À Loco, j'allais dire ma Kemba, mais si c'est à Loco, donc à Loco, j'ai hâte de tester. J'ai déjà goûté une fois la Tchiké, je n'aimais pas, mais là bon, on est dans le pays même, donc peut-être que ce sera pas le même goût. Tchiké, à Loco, parce qu'on est chez, je vais dire ma Kemba. Et poisson. Moi j'ai fait ça alors que je savais des trucs. Avec quelques joueurs ici. Arrête de te faire. Tu dégustes. Non, t'es contente là. Eh, c'est chelou, peut-être qu'il aime bien des trucs. Ça pique un peu. Franchement, là. Et du coup avec la chicken ça va. Un peu comme ça le moment. Ça me fait plaisir de te voir manger parce que toi depuis tu mangeais avec un goût amer genre en mode.
En fait, ils savaient que c'était comme la nourriture locale qui allait. Non, ça y est, c'est bon, là, on a fini de faire les cas. Peut-être encore un soir pour toi. Hey. Juste sur 10. À l'Hopodrome, Tata Kaji, c'est Kaji, c'est quoi là? Chérie, comment tu fais quand tu de mieux que de manger local, c'est une dinguerie. Comment c'était trop bon, même pas pour 10 euros. C'est même pas pour 10 euros par personne. C'était tellement doux, trop trop bon. J'ai bien mangé, je suis contente. Là, on va, je sais pas, on va en vite fait dans un espèce de marché là pour trouver un autre éventail parce que là il n'y a plus rien. Tiens, on va faire des tours genre dans le vrai marché. On regarde là-bas. C'est bien solide, non? Bref, Mireille a trouvé ses. Ses baya. T'appelles ça baya? J'appelle ça Ziggy Dor. Il fait tellement chaud, c'est une catastrophe. Mais là, ça va, il y a du vent. Donc, ça fait du bien. On va chercher des éventails. Parce que là, c'est chaud. Tu veux qu'on regarde? C'est toi qui fais, hein. Moi, j'ai dit que la RDC. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas la RDC? Attends, je demande. Papa des maillots, mais tu es là. Non. Papa des maillots. Moi, je suis là, papa, même tu es là. Tu sais, c'est combien? Eh, ils vont me tuer. 16 000. 16 000, non. Il y a pour 10 000 aussi. Moi, je veux un petit histoire de faire semblant un peu. Ça c'est bien. Ça ressemblait, ça. Bon, du coup, les gars, on est quelques heures après. Il est quelle heure là-bas, Fédé? 1000 heures. Oh, c'est pas celle-là que tu m'as fait montrer, hein? C'est pas ça? C'est pas celle-là que tu m'as fait montrer. Regarde, monsieur, vous êtes même dans le mur là. Regarde sur WhatsApp. Ou ouais, après la voiture, elle est bien. Oui, non, mais c'est bon. Attendez, je vais prendre des vidéos de tout ce qu'il y a. Allez-y. Ah oui, ouais. Du coup, là, on prend la voiture. On est allé au festival. Les gars, on est KO. On a bien dormi, on s'est bien reposé. Regardez. ESA vérification. ESA vérification. Ah, ESA. Non, Nazo, ça, la vérification. Vraiment, on a tout montré, on a 18, on a... Oh mon dieu. Ouais, mais t'as fait quoi hier soir? Quoi? T'as fait quoi? J'ai dormi. T'as dormi? Si, en tout cas, pour dormir, t'as dormi. Si, tu sens, moi, je sors. Tu sens pas? Qui? Pour aller pour faire quoi? On a dit c'est le pain, non? Bon. C'est fini. Bonne journée, bonne soirée. Il y a plus de courant, les gars. C'est chaud, ça fait trop froid. Comme Mary dit, c'est l'esprit de marque. Salut tout le monde. On va fêter les coups des chansons de bref. De quoi? Des chansons de quoi? De bref. Ah, je vous ai dit des chansons de bref, j'allais dire, c'est pas ça. Ah non. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, je vais urgemment me coiffer. Parce que je sais pas si vous pouvez voir l'état de mes cheveux, en fait ici l'humidité. Je pensais que ça allait tenir, mais ça ne tient pas. Il fait vraiment trop chaud. Donc je vais aller me faire des braids pour tous ces jours. Parce que deux semaines comme ça, lisser mes cheveux, je vais niquer. Enfin, je vais paniquer, je vais tuer mes cheveux. Nini. Colo quoi? Et du coup, moi je vais faire des locks. Des quoi? Des locks. Ouais, c'est vrai que t'as vraiment la longueur pour faire des locks, quoi. Non, des fausses locks, genre ils vont être dérangés. Ah, j'ai capté. Et ouais, donc du coup, la direction, je crois que c'est Mapo Air à Cocodico. Voilà. Bon, les gars, on a acheté des Nyomi. Vous savez, la chose, c'est Nyomi, elle est qui est bon. Il nous le lait, wesh. C'est comme ça. On dirait que c'est des grosses pancakes. Mais genre épaisses. Crash test, toi, t'aimes pas? Non. C'est sucré ou salé? C'est sucré. Sucré.
Elles sont épaisses, hein. Ah, je reconnais ici. Ouais. Tu sais que normalement ici, là, on est à 12 minutes de la maison. J'aime pas. Très bien. La chanson, elle est fausse, un gnomi, elle était bon. C'est jamais bon. Tu es des gnomi? T'aimes bien? Ah, t'es africain? Bah... Non. Moi, ça n'a même pas passé. Ah, bah là, depuis tu mâches. Attends, c'est un coquet. Il y a d'autres trucs. Ouais. Non, t'as abusé. Non, on dirait du. Tu sais, c'est le complet, le blé. Ouais, moi, j'ai ça. T'as mis où là? Mais ouvre la fenêtre, jette pas la fenêtre. Les gars, là, on rentre. Du coup, je vous ai pas dit, mais je me suis pas coiffée au final. Il y a tout le monde. Il y a une coiffeuse qui arrive à la maison à 18h. On arrive à 18h. Et ouais, j'ai faim. Bah, faut de nourrir moi. Bah, faut de, je sais pas c'est quel genre d'homme. Mais. Il nourrit pas les filles. Déjà, je t'ai évité de prendre des langos, je t'ai déposé. Merci. Je suis reparti te chercher. Merci. Donc dis pas ça. Bah, donne-moi à hier, manger. Je t'ai payé à manger. Ouais, c'est vrai. Donc tu peux pas dire ça. Je suis un très bon. 10 sur 10. Là, on rentre à la maison, wesh. On a 30 mais, minutes. Elle est bouchon. C'est une dinguerie. Pourquoi t'as coupé la clim? Je sais pas, parce que ça fait du. Non, Chien. De parler, hier je sais même pas où je vous ai laissé les gars. Ah bah si, je vous ai laissé ce matin quand j'écoutais Pain Chien là, je sais plus c'était quoi. Les gars, ce qui s'est passé après, dinguerie. J'ai vraiment cru que j'allais passer. Il passait de l'autre côté de la rive. Comment j'avais mal au ventre, comment j'avais mal à la tête. J'avais mal partout, je me disais mais. Seigneur. What is going on? Qu'est-ce qui se passe? C'est une dinguerie. Oh, on devait aller à Signy. On est rentré trop tard. On est KO. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais aller me coiffer. Tu vas être content, Tiara, ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez tous tout très bien. Ok, aujourd'hui c'est jour de match dinguerie. Asseyez-vous dinguerie s'il vous plaît. Je sais pas ce qui va se passer ce soir, je stresse un peu, je vais pas vous mentir. Et ce qui veut dire c'est que vous, quand vous allez regarder le vlog, vous allez déjà être en avance, donc vous allez déjà savoir qui a gagné, qui a perdu. Wow, là on sait pas. Mais bon bref, là il est 13h, 14h dans 6 minutes. On va aller manger, les garçons sont partis se coiffer, enfin faire leur teinture et tout. Nous on va aller manger, après on revient, on se prépare pour aller au match. Normalement mon cousin il a mon maillot de la RDC, mais je sais même pas comment je vais l'avoir lui. Là, on va aller manger et après on va voir ce qu'on va faire. Mais ouais, les gars, c'est chaud. Les gars, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Genre, les vêtements, ça va? Quels vêtements? J'ai dit, j'ai 21 ans, j'ai 23 ans. Putain, je suis à Paris. T'habites quoi en vacances? T'as même annoncé que Kako est arrivée et tout. Oh, j'ai même pas dit. Tu vas commenter? J'ai même pas dit. Kako nous a rejoint sur un coup de tête, les gars. Elle est tellement riche qu'elle a tombé pour le jour même le lendemain. Pas d'argent, j'ai l'argent pour Gucci, Versa, ça va être par là. Ah, j'ai capté. On est en train de se préparer pour le match, les gars. Le stress, il monte. Il n'y a même pas d'humidité, tu te mets tout à l'heure là.
Tu maquilles, hein. Bienvenue chez nous. Elle me donne un truc, hein. Bon, il faut que. Que moi je suis avec c'est vous. C'est pas ta caméra? Tu et coupes donc, pas? Mais c'est moi qui l'ai installé là en fait, la principale concernée. Et alors? Mais voilà pas toi! Et alors? Parce que t'as coupé tes cheveux, tu crois trop que. Micro! On m'a pas envoyé l'adresse. Ton t-shirt il est transparent, je sais pas si tu sais. Qu'est-ce qui est transparent? Ton t-shirt? C'est un body de base. De toute façon, j'ai mon t-shirt dessus. Sans oignons. Il y en a un sans oignons. Et deux sans oignons. Deux sans oignons et un avec oignons. Et tout dedans. Là, les gars, comme la Côte d'Ivoire, ils ont gagné. On est parti faire la fête. Maintenant, on même s'ils auraient perdu. Hein. On dort pas, on fait pas la même erreur qu'avant. Même s'ils auraient perdu, on aurait donc fait la fête. Direction Assini. Madame, vous venez à Assini avec nous? Non, comment? On va à la plage, on va à la piscine. Hey, madame, faut lâcher viande, on va aller. T'inquiète. Hello. Non. Je vous ai laissé hier. Malheureusement, on a perdu. On est sorti 40-40. Franchement, si vous venez à Abidjan 40-40, mettez-le dans votre première liste. Car moi, je trouve qu'on entend trop parler du Bloom, alors que le 40-40, ça se tape. C'est mieux pour toi? Là, on est rentré. Il était 7h du matin. Il va être 9h, même. Je crois qu'il est déjà 9h. On bouge à Assini. Voilà. Quoi? T'as glissé? Eh les gars, cet Airbnb, c'est la catastrophe. On est inondé d'eau, il n'y a rien qui va. Genre vraiment dans cet Airbnb, il n'y a absolument rien qui va. Genre, si je te demande, vas-y, cite-moi une chose qui va. Il fait trop chaud. Il m'a même pas attendu ce rat là. Mais chaud, j'avais pas compris ça. Il y avait mal au dos. Alhamdulillah. C'est chaud, c'est chaud. Mais non, il a défait le balai, tu vois. Non, c'est juste ça. Enfin, arrivé à la maison d'Akula. Quelqu'un peut expliquer pourquoi c'est la maison d'Akula? Alors, c'est la maison d'Akula pour la simple raison que Christophe Akula. C'est une personne, je connais pas. Christophe Akula? Je connais pas. Mais c'est Christophe Akula ou vraiment? Non, il a inventé. Et qui a sorti le jus là? Hein? C'est le jus chaud ou c'est le jus froid? Oui. Et t'as besoin de froisser ton visage? Ah oui, c'est à moi! C'est acheté avec mon argent, avec la soeur de mon front à Gucci. Hein. Because we speak English here. Hein. comment dis pendant? On redonne à non, votre propriétaire. Pour passer sur un autre, sur le beach club. Allez les gars. Ah le beach club est sur une île. Ouais. Waouh. Waouh. Prenez la valise. C'est mieux, je ferme la caméra maintenant alors. Ça y est, tes affaires, hein. Je veux pas terminer. Ah, oui. Tu dois la monter. T'as pas de claquettes, Djibril. Non, c'est juste.
là, je vous filme vous trois là. Bah, personnellement, je me sens dans mon élément. Hein. Rien à dire. Bonjour. Et vous, toi, Meredith? Franchement, ça va, je me sens bien, j'ai faim, soif. Et toi, Bafou? Peut-être il est fatigué parce qu'il a beaucoup conduit quand même. Sachant ouais. qu'il n'a pas dormi une seule minute. C'est ça. Moi, je ne fais pas. J'ai pas fait exprès. Ok, je te pardonne. Alors, moi, je suis là. Voilà, ok, une petite virée. Petite virée. Balade. Avec un écran. En bateau. Ok. Où sont les boys? Et mon tel il vient de s'éteindre, c'est une blague. On est arrivé ici, c'est la maison d'Akula, mais côté plage, vous prenez un, je sais pas si c'est un bateau, si c'est une pirogue, si c'est quoi. En une minute, vous êtes arrivé. Mais franchement, c'est hyper beau. C'est bien. Kako est en train de faire un petit réel pour mon Instagram. Et donc, du coup, elle prend des super beaux plans et tout. Ça brûle! C'est tellement beau, les gars! Non, c'est trop, wesh! C'est trop beau! Enlève un peu le sable sur tes pieds. Un peu plus. Eh, mameo! Despacito! You don't need no other body. You don't need no other body. Only you feel on my body. Only you feel. Les gars, je reprends mon vlog. Je vous ai laissé où? Je crois que je vous ai laissé à la maison d'Akula. Hein. Là-bas. Attends. C'était ça, là-bas, ça d'après. Ouais, je crois que je vous ai laissé à la maison d'Akula. Mais bon, bref, aujourd'hui, nouvelle journée. On a bien fait. On est rentré hyper tard hier. Hyper tôt ce matin. Hyper tôt ce matin. Là, on a commandé, c'est quoi? C'est tout banane, sauce graine. J'ai peur, sauce graine, j'aime pas. Il y a... Ça sent bon le crabe. Ça se présente comme ceci. Mais c'est. Ça, c'est le foutou. Vous avez commandé ça où? Chez Tata. Chez Tata Annie. C'est Tata. C'est Tata. J'ai commandé. C'est toujours un truc. Et moi, si je mange ça, je ne rentre plus. Ah ouais? Je mange ça, c'est fini. T'as peur? Vous les atimides. C'est ça. Allez, parce que. En fait, il aime trop parler lingala, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est petit, hein? Je crois que c'est du bon sang là. Ah, c'est chaud, par contre, c'est bien chaud. Attends, je vais fumer. Ah, ça pue. Ça sent trop. C'est du moussaka. Donne-moi le sac, je mets. C'est du moussaka. Moi, je mange ça. T'es pas le moussaka? Si je mange ça, les amis, je ne vais jamais en France. Je meurs ici. C'est quoi ces stéréotypes? Non, c'est vrai, non, je ne peux pas manger ça. Il y a quoi comme viande, t'as dit? Crabe, escargot, bœuf. Je suis désolée, mais ça sent tellement bien. Tu fais, tu prends d'abord ça? Ah, mais c'est vraiment de la. Ah, elle est c'est élastique, hein. Oui, il est à caoutchouc, hein. Ah. Ça, c'est du caoutchouc. On peut nous interviewer pendant ce temps-là? Attends, c'est chaud. T'en mets partout, bafoudé. Bonjour. Bonjour. Ouais, je te montre ça, bonjour. C'est bon? C'est fade. Il manque du sel? On dirait, bafoudé, il aime pas trop, hein. T'aimes pas? C'est pas bon? Il manque du sel. Choqué. T'as vu, ça donne envie. Mais la sauce n'est pas bonne.
Mais ça a quel goût? Décrivez là. Ça, je sais pas, c'est un goût de quoi. C'est un goût d'huile. Par contre, ça se voit que c'est gorgé d'huile. Ouais. Ça, c'est. Ça pique, hein. C'est toujours gorgé d'huile, les trucs comme ça. Mais attends, je comprends pas. T'es sûr que c'est ce que tu manges là-bas? Genre, ça a pas de goût, y a pas de d'épices. Non. T'as tout ça à ce goût là ou quoi? Jamais. On peut goûter? Oui. En Côte d'Ivoire, vous avez commandé jamais chez Tatamari. C'est une bad. Les gars, on est prêts. J'aime trop mon outfit, je vais faire des photos aujourd'hui. Regarde. Trop aujourd'hui. Ah, t'as pas comme ça parce que vous avez l'énergie. Une lumière. Aujourd'hui, j'ai pas de sac. Ah ouais, tu as ton sac? Moi aussi, j'ai pas de sac. Bon, on y va. Bon, du coup, là, on va au Noom restaurant. Petit lunch. Et après, on va manger. Can bank on it. You can put a 100 grand on it. Anything I said, I stamp on it. In a private plane, I lamp on it. Lele order to call me bank on it. Cause I walk around with the bank on it. Show them Gangnam style, put the gang on him. Twist my fingers up on a bang on him. Lele o, oh, lele o, oh, yeah. Tobalo ako macho, yeah. Tobalo mako macho, yeah. Nobody know tomorrow. Choro ka choro. And if a boy feel macho, make him look red like a tomato. If him not dead, then he call matos. No ko fambo. As that day comes, as I go, God watch over me, oh Lord. I cannot trust my neighbors. As that day comes. Oui. Nous sommes au zoo. Ça c'est quoi? Des singes? C'est des... C'est des magabeilles. Les macaques. C'est pas des macaques aussi. Comment t'as dit bonjour? T'as entendu dire bonjour? Super chaud. On dirait on va mourir. Oh, il y a un bébé. Oh! C'est quoi la star? Oh, il sourit. C'est bon? J'ai jamais goûté, ça vient d'où ça? Ouais. Ça c'est aquababo. Dingue. Comment on peut critiquer un éléphant, oui. Hein? Comment on peut critiquer un éléphant comme ça? Non mais en vrai, franchement, je trouve qu'elle est maltraitée, genre. Comment on appelle ça son... Attends, comment là? On va dans la cage. Comment je me sens? J'ai très chaud. En plus, elle s'habille de ça, elle est dégueulasse. Je crois qu'il n'y a rien de ce côté-là, Romain. Toi, tu te sens comment? Moi, alors là, bienvenue. Regardez les animaux desséchés. Les animaux déshydratés, on dirait des chips. Il n'y a rien là. Les chips qu'elle a mis dans ton sac. C'est ça? C'est la même chose. Elle a pris le nom, elle a mis dans mon sac. Oui, elle manque de chips. Merci. Alors, lancez avec amour, avec précision, avec habileté, et vous êtes capable de gagner, c'est juste se divertir. Attends. C'est combien 6? Ouais, 6, mais je donne 3. Monsieur va lancer aussi, non? Non, elle va jouer. Ok. J'ai peur. Vas-y là. Non, n'aie pas peur. Là, c'est pas grave. Bon, Meredith, elle est malade. J'ai éclaté. Tu sais, ça cause mes règles, mais en fait, chaleur, ça se multiplie en fait. Toi, t'as le huile aussi, là, c'est règles. Hé, monsieur, là, crie beaucoup d'air. Il est fâché ou quoi? Il y a quoi? C'est un fou de monsieur, là. Il s'est passé quoi? En fait, on veut pas de cartes. Il y a plusieurs types de cartes. Il y a des cartes pour enfants et pour adultes. Maintenant, il dit, si on veut prendre la carte pour adultes, on doit d'abord prendre la carte pour enfants. Et il bat le record de 52 secondes. Faire un tour en moins de 52 secondes. C'est combien le record pour enfants? 4-15 000. Tu payes d'abord les cafés, après tu rajoutes. Du coup, il a dit, mais si c'est ça. En fait, il dit, c'est la deuxième catégorie, elle est accessible qu'à ceux qui ont battu le record de 52 secondes. En fait, on dit, mais c'est pas écrit. Et si c'est ça, bah, laisse-nous faire un tour gratuit avec ton carte d'enfant si on fait 52 secondes. Bah oui, pas logique. Sur les cartes adultes, et ceux qui font moins, mais ils restent avec les cartes d'enfant. Mm-hmm. Et il veut pas. Et du coup, il a dit, mais appelle ton chef. Je veux pas appeler son chef. Bah on style, ça y est, c'est bon. Ils ont peur en fait. Oui, je suis pas. Ils perdent de l'argent bêtement là. Bah les gars, du coup, on rentre. Hein.
Le gars du karting, il est pas intelligent du tout. Archi pas malin. Ah, il a dit ça. On vient de mettre en place, il a dit. Juste parce que c'est nous, genre. Regardez, en fait, il voulait que tu prennes un carte d'enfant, tu payes 15 000. Après, ouais. Tu prends un carte d'adulte, tu payes encore 15 000. Non, tu payes 20 000. Ah, ah d'accord, d'accord. Bon, c'est un maman, franchement. Explique le contexte. Est-ce que tu m'as présenté à ta caméra? Je m'appelle Gibril et j'ai 7 ans. Je suis frère de Malé. Voilà. Au cas où vous me voyez mais vous savez pas qui je suis. C'est bon, j'ai fini. Déjà? Oui. On était au zoo. C'était Yeri. On était au zoo, on a vu des singes, des léopards et tout. Et après, ouais, léopards. Un éléphant. Il y avait un éléphant. Il était mort. Pour voir maintenant. Le si t'avais une lion. Une petite chatte. Et là, on est dans un petit resto, maman. Et pourquoi on est parti? Mais c'est dommage parce que c'est un bel endroit. BBF, c'est un bel endroit. Caro, s'il te plaît, lâche pas, tu rentres demain. Mais mettez des commentaires. Juste pour ça que tu vas prendre le voyage. Il y a ma faudée. Là, on mange, après, on va aller voir le match. Congo, Afrique du Sud. Après, on rentre, on dort. On dort. Justice de Dieu! On n'a pas de couette. La couette depuis lundi, c'est lundi qu'il a pris la couverture. On n'a toujours pas la couverture, on est dimanche. C'est pas normal, c'est pas pro. Ange, je suis désolée, je sais pas à qui appartient quoi, mais sérieusement, reprends ton activité en main. Parce que moi, si je commence à mal te parler, ça va pas le faire. Et j'ai pas envie d'en arriver là. Et depuis, je suis patiente, je suis polie, j'essaie d'être calme. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Honnêtement, ça commence vraiment à faire beaucoup. Hello tout le monde. Ça fait plus d'une semaine maintenant qu'on est à Abidjan. Aujourd'hui, c'est la finale. Je prépare. Les routes sont blindées, les routes sont bouchées à cause de la canne, du coup. Pour la finale, donc là on va essayer de s'y prendre un peu en avant. Mais bon, il y en a d'autres qui dorment encore, d'autres qui sont pas encore sous la douche. So, ça va être un peu compliqué. Je suis habillée tout simple, j'ai pas de nuit de maillot, quoi. Ça rien, un petit attention comme ça, Adidas avec les baskets, et puis c'est bon. Et la chaleur. Attends, là, de la caméra parce que je ramène ma caméra, ils vont me taxer. Ouais, tu ramènes la caméra, tu dois laisser un petit billet pour laisser ta caméra passer. Franchement, l'Afrique. Vraiment, l'Afrique. Alors voilà, nous sommes au point de rassemblement. Nous allons nous rassembler pour prendre le bus ou la moto, pour le rendre au stade. C'est devenu mon vlog. Hein. C'est trop ma place, hein, en rose. Alors moi je me distingue. Hein. Tu supportes qui? On va te lapider dans le bus. Hein. Après ça t'a tellement marché. Il a attrapé ma belle. On a pris le bus là, on doit marcher beaucoup. Ah non, le stade est là-bas. Et il y a tellement de monde. Là-haut. Là, faut voir comment on va faire la queue droit. Putain. Maman. Hein? Ah. On y va, on y va, on y va. On n'est pas compte du monde. Du monde jusqu'à là-bas. Tout là-bas. Et nous, on a regardé notre queue tout là-bas. Non, c'est trop. C'est trop. Je sais pas si vous vous rendez compte du monde qu'il y a. Il y a pas de monde, il y a 50 000 personnes. 50 000 personnes. Ah bon, ok, nous on est à Angers.
Nous, on est en deux. Ils sont en G, eux. Non, non. Les gars, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Dinguerie. Dinguerie. Hier, je crois que je vous ai blogué. Africa danse. Vous êtes juste habillé pour aller au marché? Je vais remettre le short là. Quel short? Le short d'hier. Non, c'était trop bien. Ah, la cérémonie d'ouverture, franchement, super belle. Ils ont bien fait les choses. Après, j'ai l'impression qu'à la télé, c'est plus impressionnant. Et même quand... Putain, ma voix... Tout le monde devient malade, c'est chaud, hein. Non, t'es gestion, t'es gestion. Et même, je sais pas, en fait, c'est beau, mais j'ai l'impression qu'à la télé, c'est plus impressionnant, la vérité. De quoi? On était à l'envers. Non, pour le show, les chanteurs, ils sont tournés, hein. Non, mais on était à l'envers pour les feux d'artifice, c'est qu'ils ne s'arrendaient pas comme... Hein? On était à l'endroit. En tout cas, c'était cool, j'ai bien aimé. Jamila, hier, elle a voulu faire la meuf Fabrice jusqu'à la dernière minute. Elle a senti, elle a lit l'heure, hein. T'as lit l'heure, hein. Parce que, elle, t'as quitté, c'était à quelle heure? 23h. Elle est arrivée, c'était 2h. Ouais. 2h et quelques. Bah, nous, après, c'est la même chose, hein. On est sorti, il était 22h, on arrive le matin. On est arrivé ici, il était presque 1h du matin. 1h30. C'était un périple pour sortir du stade, c'était n'importe quoi. En tout cas, c'est bien passé. Je suis quand même contente que la CIV ait gagné parce que, vas-y. Ils reviennent de loin, ils ont été ressuscités, autant être ressuscités jusqu'au bout, quoi. Parce que si c'est pour perdre, on perd en cours de route, mais bon. Même si, vous savez que moi, le Nigeria, c'est vraiment mon pays de cœur. But that's okay. Hier, les garçons sont sortis, ils ont fait la fête. Moi, j'ai dit, c'est impossible, je sors. Impossible, j'étais KO, j'ai bien dormi là, je suis bien. Et ouais, du coup, là, le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller au marché. Oh, les champions! Wesh! Champion, toi? Non. Ça va pas ou quoi? En fait, ma mère, déjà, c'est un vendu parce qu'il voulait que ce soit le Mali qui gagne. Alors, déjà t'as vendu. Si. On a les rushs, de toute façon, dans le vlog ici. Tu voulais que ce soit le Mali qui gagne. Tu veux que je te ramène mon passeport ivoirien? Non, tu veux pas. Moi, je suis ivoire-malien. Mmh. Celui qui gagne, on prend. Et là, j'ai pris la troisième étoile. Allez, ciao! Voilà, bah. Bref, je disais quoi? Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on va aller au marché de la Jamy. Je dois acheter des petits trucs, je vais aussi faire une photo au marché, tout et tout. Voilà, vous connaissez quoi, on vit pour les caméras, ça change pas, franchement ça change pas. Et voilà, par contre on est en train de tous tomber malade, c'est incroyable. Est-ce que je donne ma caméra au marché? So, je fais petit outfit of the day pour le marché. On m'a dit, tu vas t'habiller comme ça pour le marché? J'ai dit, bah oui. Why not? Tu serais le long comme ça. Vous êtes bourré, c'est ça? Non, c'est faux. Mais celui qui boit le plus, en fait, hein. Ouais. T'as des soucis à régler? Elle a dit ça, j'aime bien ce matin. Tu te mets dans la poêle?
Ma connexion elle est boucaque hein. Allô. Akaloroja. Amina. Ça veut dire quoi? C'est pas la traduction. Championnat Kodo, ni TC, Ibebo. Après. Amina, c'est combien? Après, j'ai oublié. Bonsoir. Hé, Yaya. J'ai pas l'argent. Allez, vous le là. Regardez, Jamila avait acheté ça. Hein. C'est 300 francs. Attendez, donnez un peu. C'est quoi? On y va? C'est chaud. Comment ça? Attendez, je peux regarder rapidement la dame. Non les gars, c'est bon les gars, franchement c'est bien, mais je dois apprendre plus de choses. Mais c'est hyper bon là, ça que je pense. Là on va rentrer, on a déjà on a fêté l'entrée. Là on va rentrer. Ce soir resto et là on se sent pas. Et ouais hein. Tellement chaud, je sais pas combien de fois dans ce vlog je vais le dire, mais il fait tellement chaud, c'est une dinguerie, vraiment une dinguerie. Coucou. Je viens de me laver là, mais j'ai senti au cas où parce que j'ai eu un petit vent de fraîcheur là, j'ai pas compris, mais en fait je pense que c'est ce qui règne dans la maison là, ouais, parce que franchement j'ai oublié, c'est la caméra de qui, il allait parler sur elle. Il est actuellement 7h15, qui va être 8h là. Je suis KO, hier j'ai passé. Quoi? Tu veux du bruit? Ah. Hier j'ai passé toute la soirée à monter ma vidéo que vous avez vu normalement. Elle est en ligne, c'est bon, ça c'est fait. Là en fait le programme d'aujourd'hui c'est quoi l'activité? La lune? Mamie? C'est quoi l'activité? C'est quoi le nom de l'activité? On va faire le domaine Bini. Mamie vient de vous expliquer à quoi ça consiste parce que j'ai oublié, mais je suis morte. Les gars, ça va comment ça? Combien du feu rouge? Elle comme ça? Mmh. En plus, tu regardes. On est venu acheter un pain omelette pour manger avant de partir parce que du coup, on n'a pas mangé. Et ouais. Déjà avoir chaud, il fallait jamais que tu mettes de la crème. Regarde-toi. J'ai mis un mini short. Tout le monde me regarde. Bon, les gars, on est arrivé. Ça s'appelle comment? Domaine Bini? Lagune. Lagune Bini? Domaine Bini Lagune. Domaine Bini. Ah monsieur? Domaine Bini Lagune. Vous vous appelez comment? Israël. Israël? Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah Israël, c'est déjà venu à deux. Ça me fait trop penser à la Guadeloupe. Voilà. On dirait le chemin que j'avais emprunté avec Tania pour aller à la Blue Lagoon. On aura un récap et tout de ce que c'est parce que moi je connais pas trop. On va tout vous expliquer. On va manger? Non. Comment ça non? Maman, tu nous as dit quoi toi? De quoi? On va pas manger. Moi j'ai reçu la réservation, on dit le groupe des 5 là, eux ils vont pas manger. Qui va manger? Pourquoi? Ah non, chef. Hein. Eh putain, je crois que c'était un serpent. C'est comme ça que t'allais réagir. C'est que t'aurais mangé. Mais là, c'est le moment de prendre des plans là. Ouais, je vais prendre. depuis elle fait du passe comme ouais. Non, move, tourne. Je peux faire ce que je veux, c'est mon vlog. This one I bet you will be ya bada. Me I no get time I be ya bada. Dada cover my face, calling me ya bada. Me demand way to be ya bada. I'm a man. What's it gonna be? G-Wagon, all depends on.
Elle me fatigue. Fallait jamais je mette de la crème sur mon visage. Eh, hey, je te jure. Y'a quoi là? On dirait un truc invisible. C'est une narine. Ah, donc c'est une narine qui est sur moi. Aquaba. Merci. Merci. Comment dire merci? Est-ce qu'il y a un merci dans votre langue? C'est quoi ça? Ça dépend de quelle langue. Vous êtes de quelle ethnie? Moi je suis Lobi. Lobi, un merci ou c'est merci? Mais je suis né chez les Atiers. Okay. Donc ça fait que eux, j'ai appris plus de eux les coutumes. Ok. Et comment on dit merci chez eux? Comment on dit merci chez les Atiers? Nancio. Nancio. Attendez, je vais poser une question bête, mais. Ça, j'ai peur de c'est très bête déjà. Atier. La Tchiki vient de là-bas. Du coup. Non, mais arrête de rigoler, c'est vraiment une vraie question. Non. Non. Rien okay. à voir. On va pas. Non. C'est bonjour bon, monsieur. C'est pas de l'eau, merci. Ça colle ça, c'est de la coco. C'est pas comme ça, j'ai merci. C'est ça. C'est ça. Nacio. À quoi bas Nacio. En attends, quelle langue on renverse dedans? Ouais. Je vous jure, j'aime tellement pas ça. Ouais, mais tu vois, il faut s'adapter, comme Jeannot le disait. Non, mais j'aime pas, j'ai déjà goûté la coco, j'aime pas le. Oui, mais c'est pas grave. Aquaba. J'espère que c'est propre. Bismillah. Israël. Aquaba. On peut se servir? Bah, wesh. Merci. Pourquoi je vois, il a dit. Hein? Vous pouvez boire. Non, il a dit, ouais, vous pouvez boire. Ah, ouais, merci. T'as vu? Adjala? En fait, peut-être c'est pas frais, genre. Non, c'est pas. Des glaçons. L'eau de coco, il n'y a rien de pire. J'avoue, s'il y aurait eu des glaçons, ouais. Parfait. S'il y avait. Lessie n'aime pas les règles. Comme maman n'aime pas Jamila. Bien joué. Franchement, c'est bon, c'est consistant, malgré. Consistant? Tu sais, c'est quoi consistant? Non, mais c'est pas léger non plus, ça. Dans ma bouche, je sens quoi. Toi, t'en penses quoi? Juste un petit peu plus de glaçons et je mettrais. Ah, rien en plus. Qu'est-ce que c'est? Et toi, du coup, t'as pas fini? Du coup, t'as aimé, on dirait. Ça fait une bonne transition, ça, merci. T'as jeté, toi, c'est pas possible. J'ai jeté la fin. Moi, perso, il y a des. Tu t'es fini à quelle heure? C'est pas fini, là? Attends. Ce mec, c'est très. Il aime que les trucs délicats. Quand il a pris dans la brousse, ça les pique. Là, on va où? Israël. Là, on va visiter le village Kofa Kwa, le village que l'on reçoit. Kofa Kwa, ça veut dire identification? Oui, Kofa, le nom du fondateur du village. Maintenant, Kwa, c'est comme welcome, bienvenue dans le village. Ok. Kofa. Ah. J'ai capté. Il a été la première personne à s'installer sur l'espace. Ok. Donc, eux, vu que c'est un village à Caen, eux, la première personne qui s'installe sur l'espace, la première personne qui donne son nom. Si c'était okay. Israël, ça allait faire Israël quoi? Et Israël quoi? Si c'était Méridite quoi? Méré quoi? J'ai capté. Donc là, on marche un kilomètre. Non, on marche par là au village de Kofa quoi. On est un kilomètre là, des fatigués. Non, il est pas sportif, tu sais pas son quoi? Il est pas! Il fait pas de sport! Hein? Lui, c'est la première dame à avoir eu son permis de conduite en Côte d'Ivoire. Dingue! Ça, c'est depuis les années. Ben non, oui. Ça date. Ça, c'est depuis les années 50-52. C'est à quoi de se dire là, elle devrait avoir un peu de temps. Et elle a acheté les 9 hectares à Monsieur Kofa. Monsieur Kofa, qui est le fondateur du village Kofa quoi. Et elle a acheté les 9 hectares à 60 000. À mais c'est rien! C'est à l'époque. Ah! Je m'appelle M. Victor Ekra. Victor Ekra, c'est le fils à Mathieu Ekra. Mathieu Ekra, qui est l'un des fondateurs de l'Union nationale de la Côte d'Ivoire. Okay. Lorsque le fils est arrivé, il s'est installé tout là-haut. Il avait sa parcelle là-bas. Et il avait besoin d'électricité. Coucou! Coucou! Aïe, désolé. Trop bien. On peut utiliser les puits, donc c'est beaucoup d'ambition. Sinon, quand il pleut pas, on peut utiliser pas de soucis. Les gars, hein? Make again what? Go to the water. On va faire la baleine lagunaire.
Maintenant, de base, s'il vous plaît, surtout pour les dames, pour les filles, pour les femmes, je vous montre les toilettes, s'il vous plaît. Donc, tout droit devant, vous avez le petit panneau bleu. Mm-hmm. C'est très naturel. Voilà, c'est les toilettes, sèches, c'est les toilettes bio. Vraiment. Bio, hein? Très bio. Très bio. Mais ça aussi, vraiment. Pour les garçons, bon, il n'y a pas dit un garçon, il faut quitter là-bas jusqu'à ici pour juste venir cuisiner. Attendez, monsieur. Je vois dessus le même mandarin, vous me faites passer, vous bien. Merci. Moi? Oui. C'est que du will. L'équilibre. Il a dit ça va jamais tomber, donc ça ne va pas tomber. Tu veux que je filme? Mérite. Tu veux que je filme? Il est où ton tel? Il est dans le sac. Moi aussi. Non mais mamie, wesh, c'est quoi là? Je n'ai pas wesh wesh ici. Non mais pardon, c'est la panique. En plus une femme. Zéro. Yeah, moi je sais pas nager d'air. C'est qu'il faut mourir. Hein? Mais arrête. Et ils ont l'air mieux que nous, hein. Oh, le pot, Auré me fait de la peine. Bafodé, ça va aller. On est bientôt arrivé. Ah, le pauvre, ça c'est vrai. Oh, t'as vaincu ta peur, quoi. Moi, non, mais jamais. Ça, c'est pas le pire hein, que j'ai fait. J'ai dit, c'était dans l'eau. Quoi? Alors que t'as peur? Non, c'est parce que c'était en Thaïlande. Si je peux mourir, je peux mourir en Thaïlande. Ah, d'accord. Moi, tu préfères mourir dans le luxe, quoi. Mais je peux jamais mourir dans la lagune à Djaoui. C'est quel mou. Jacob, pardonne. Non. Jacob. Merci. Il est pressé de sortir, ça me dead. On a fait une petite pause. Ça va bien. Les gens vont ils ont servi du bisap, c'est le meilleur bisap que j'ai bu. Vraiment. Il a pas rempli, hein. On a soif. Pourquoi il m'a au conseil, il me ramène et me met en bas. Bisap, il a plu. Je vais faire ça. Mais c'est trop doux. Mais ça va? Je suis morte. Mais lui, depuis, il veut comme me donner des ordres. Il me dit, en fait, tu peux arrêter de poser des questions. Quand ça, elle parle trop, ça va pas, Jimmy. Non, après, là, elle n'a pas très tort. Elle n'a pas raison de jouer. Elle n'a pas raison. Oui. Mais elle a le droit de poser des questions. Ah, mais c'est oh. Tu sais que c'est mal poli de dire ça à quelqu'un. Tu parles trop alors que c'est le... Il a dit de poser des questions, je comprends pas. C'est la même chose, je suis désolé. Non, mais touche pas parce que t'as une biche colle. Depuis, tu veux comme toucher là. Il est bizarre. Dégusté, mais en fait, je vais mettre dans la bouteille, je prends l'eau. Hein? Bah, j'ai pas fini, je déguste. Tu vas mettre ça dedans? Bah, ouais. Tu vas mettre l'eau. Quoi? Ça sera plus bon. J'aime bien, mais bois tout. C'est maintenant ou jamais. Hé! Hey. Monsieur, vous appelez comment? Merci Benjamin. Merci Benjamin. Benjamin, vous pouvez pas vous acheter ça. Merci. Benjamin, vous vendez pas ça? Le gros bidon j'ai vu là-bas. Vous vendez quoi? Vous vendez c'est pas ici là, on voit pas ça. Mais on peut en avoir. Attendez, vous faites une photo, Zama. Des bouteilles entières? Je vais goûter du coup tout. Quand tu finis de boire, tu souris et puis tu me coupes la gueule de boisson. Partenariat en même temps. Tu déposes ton verre. Ok. Il sourit, hein. C'est même pas. Souris. Oh. Que te. Souris. Dis. Waouh. Mais souris. Coucou la mère des boissons. Coucou la mère des boissons.
Ah, waouh! Ça brûle! La langue! Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will introduce you the Bini Lagoon area. So it's very good, it's very local, very African, very like natural. So yes, come. Did you like it? Yes, I like it, and I like also the air conditioner in the car. So I want to go back in the car and sleep with the air conditioner in the maximum. Yeah. Vous avez épinards. Dans épinards, il y a pas poulet, il y a pas écrevisse, il y a pas mouton, il y a pas serpent. C'est que les feuilles. Sinon, vous avez foufou. Foufou, c'est purée de banane qui a été mixée avec huile de palme. Je dis bien foufou et non foutou. C'est foufou. C'est banane plantain qui est mixée avec huile de palme. Okay. À la fin, vous avez mamie du pêcheur. Donc, du coup, vous avez crabe et poisson. Je reprends crabe, poisson. Mon assiette, j'ai pris du riz avec de la loco et du poulet. Parce que je suis un mec simple. Voilà. Après, je vais prendre du riz et de la sauce avec les épinards parce que ça me donne très envie, j'ai envie de manger. Mais bon, il n'y avait pas de place dans mon assiette. Du coup, bah, je vais en prendre après. Là, oh, c'est fou. J'espère que quand j'ai parlé, c'était pas fou. Là, il y a Mérigite qui est là-bas. Il y a Bafoudé qui est là. Oh, Bafoudé, tu me fais un petit tour d'assiette. Dans mon assiette, j'ai pris, regardez. J'ai pris du riz. Du riz avec une sauce épinard, une sauce aux oignons, du piment, du poulet, du poisson et en dessous il y a une frite de patates, je ne sais quoi, et des allocos. J'ai un peu tout pris, on va goûter. Il n'y a rien qui est épicé là, même pas un peu de sel, rien. So we are coming here with a force, yeah. Blessing the air, reap and we're coursing on wood. Oh, we're not right on boss. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we're really supposed to be thankful. Blessings all from the life on. But thank God for the journey, the burning, the test, the plus. Gratitude is a must. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu. Ça fait tellement longtemps aussi que je vous ai pas c'est vu. C'est dingue. Incroyable. Wow. Vous allez bien? Les gars, hier et la journée d'entière, j'ai pas énormément vlogué. Entre temps, je suis tombée malade. Bon, peut-être, mais pas après, t'es les chaussettes. Enfin, mais moi, j'ai un an, je suis pas dans ce truc. Moi, il me restait qu'une nouvelle. Mais votre livre, il bouge pas. Faut renouveler. Hein? Mais tu, si tu passes où, hein? Ouais, je te l'ai dit. Écoute comme ça. Je te jure d'un livre pour mettre le jeu. Mais par contre, on doit partir, hein? Ouais, ouais, c'est sale. Justement, je sais pas. Ça sent. C'est mieux, tu la fermes. Je t'ai pas dit, mais là, du coup, on allait faire du quad. On va faire du quad aujourd'hui. Je suis essoufflée. Mais je crois que je vais laisser ma caméra, je vais mettre mon téléphone. Bon, les gars, on devait faire du quad à 17h. Il nous dit une heure d'attente. Une heure d'attente, wesh. Et à 18h, bah, la nuit, elle vient. On va pas faire du quad la nuit, ça n'a pas l'intérêt. Donc, du coup, là, on va pas faire du quad aujourd'hui. Hein. C'est impossible. Une heure d'attente. C'est une dingue. Tu veux me tutoyer? Ah, regarde, c'est un vieux père, tu me payes. Ah, ça c'est pas, c'est un politesse. Ça va? On est sur le plan de terre. C'est pas grave. C'est quoi, c'est du beurre? Je sais pas comment dire, mais les assiettes sont belles. C'est genre nature peinture. Genre la sauce sèche. Ah ouais, y'a pas genre, de problème. Je sais pas, Nidim, s'il avait deux goûts, wesh. Je suis chouette là. Deux femmes.
Ma photo cherche des masques. Et ça aussi. It's giving, hein. C'est joli. Moi, j'aime bien le noir et blanc. Voilà. Ouais, si. Pas tu aimes les papiers antiques. Non, même pas, mais ça peut être un peu. Tu vois, c'est pas du beige, hein, mais du beige noir. Du beige? Du beige noir. Ah bah c'est bon. Non, la couleur le plus. Ça, bleu, ça c'est masse. Merdis, si je te chante, tu me donnes de l'argent? Si tu chantes bien. Je fais ton passa, wesh. Vas-y. C'est quoi ton autre ami? Ombo. Ombo? Attends, comment? 2500. Comment ça se fait? Bafodé, t'as laissé quoi allumé? Les feux? Y'a rien qui t'a allumé. Non, ça va. Bafodé, tu es une blague. Jésus Christ. Bafodé. Appuie sur l'accélérateur en même temps. Mais là, c'est pas possible. Bafodé. Bafodé, tu fais une blague. Last night. Départ. On range nos affaires. Un vlog, je sais même pas. C'est chaud. Il y a même plus de courant. On va pas se plaindre, hein. Non, non, on se parle. C'est la poussière. Si c'est tout ça s'arrête. Je suis la poussière. Les gars, c'est la fin. J'ai pas trahi le Congo, hein. D'accord. Si, c'est parce que j'ai plus de vêtements pour voyager. Mais ouais, les gars, c'est la fin. Je sais même pas ce que ce vlog va donner. Genre. I don't even know. T'as pas fait ton fond de drone. Tu vas faire mon fond de drone. Je sais. Je vais le faire. Je vais le faire. Ouais. Donc, du coup, c'est la fin. En tout cas, moi, j'espère que ce vlog vous aura plu. Que vous avez bien rigolé. Que vous avez apprécié Abidjan autant que bah, j'ai apprécié Abidjan. Franchement, c'était vraiment super cool. Et ça me fait super plaisir de faire un vrai vlog, genre, dans un pays d'Afrique. Moi aussi, ouais. So, à part le Congo. Et franchement, j'ai kiffé. C'était une expérience de ouf. Pouvoir participer à la CAN, pouvoir voir ouais, la finale et tout. C'était vraiment une super bonne expérience. Les Ivoiriens, c'est des amours, pour les idiots, hein. Mais vraiment des amours hyper accueillants, hyper marrants. Même les policiers, s'il vous plaît, on se faisait arrêter. On n'avait pas peur, on rigolait, bon, après on savait qu'ils voulaient l'argent. Mais ouais, là, franchement, c'était super cool, j'ai grave kiffé. Et puis voilà, en tout cas, moi, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Bye.